Aujourd'hui, nous sommes à Ndiaye-Thioro, dans mon village natal, situé à 126 km de Dakar, dans le département de Kemer, arrondissement de Ndande. Je m'appelle Mor Ndiaye, jeune entrepreneur agricole qui évolue dans le domaine agricole, l'élevage, etc. J'étais étudiant à la faculté de droit à l'UCAD. J'ai eu mon bac en 2015. J'ai laissé mes études pour voyager aux États-Unis. Malheureusement, cette aventure est soldée par une fiasco. Je suis allé vers d'autres pays en Europe, comme Turquie, Chypre. Et je me suis retourné au Sénégal avec le peu de moyens que j'ai et j'ai investi dans l'agriculture. J'ai tenté l'immigration parce qu'auparavant, comme tous les jeunes Africains, je pensais que l'Eldorado, c'est en Europe ou bien en Amérique et en Asie, comme l'esprit de tous les jeunes Africains. Et c'est pour cela que j'ai voulu voyager comme tout le monde, aller en Europe et revenir ici. Malheureusement, arrivé là-bas, j'ai compris que l'Eldorado, c'est ici en Afrique. On peut rester là, on peut réussir ici, on peut avoir tout ce qu'on veut ici. Les choses que nous avons vécues, on avait des problèmes de logement, on dormait dans les salons avec un nombre de personnes. Les conditions ne sont pas favorables. En même temps, nous avons des problèmes d'argent là-bas parce qu'on n'a pas de travail et on avait des problèmes là-bas. Par la suite, il y a des problèmes de racisme, etc. C'est pour cela qu'on préfère retourner chez nous, parce qu'ici, on est là bienvenue, contraire au niveau de l'étranger. Les gens de voir là-bas, lorsque vous êtes nègre, vous avez au niveau de l'étranger, vous avez des problèmes de vie là-bas. Si on passe dans les cafés, les gens vous regardent et ils vous ignorent. Vous ne pouvez pas être dans la liberté là-bas. C'est des conditions très défavorables. Avec tout ça que j'ai subi, j'ai préféré retourner chez moi. Ici, j'ai la liberté, voilà. Il y a de la nature. Auparavant, mon père ne voulait pas que j'émigre en Europe parce que lui aussi, c'est un ancien immigré. Il m'a dit, tu peux rester ici au Sénégal, tu peux réussir ici. Moi, je préférais voyager comme tous les jeunes, pensant que l'Eldorado c'est en Europe. Avec la suite, je me suis retourné au Sénégal et aussi il m'a encouragé au niveau des sangs et d'autres là. C'est lui qui m'a encouragé. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat agricole en 2018 en suivant des documentaires comme j'ai un mentor comme Tchonya. J'ai suivi beaucoup de documentaires, ils sensibilisent la population et aussi les Sénégalais de la diaspora. Lorsque j'étais en Europe, j'ai suivi ces conférences. C'est lui qui m'a motivé de revenir au pays pour investir ici au niveau de l'agriculture. La majeure partie des Sénégalais pensent qu'après les études, il faut travailler dans les bureaux.
au lieu de revenir au niveau de l'agriculture. Moi, j'ai préféré venir au niveau de l'agriculture, travailler ici, que, avec mes trois champs, l'un c'est 3 hectares, l'autre 2 hectares, et un autre terre de 2 hectares que j'ai hérité au niveau de mon grand-père. Maintenant, je n'ai pas de problème d'espace avec la possibilité que j'ai ici. On a le soleil de 9h à 17h avec un forage qui alimente de l'eau de 9h à 17h. Et nous avons de vastes espaces, c'est pour cela qu'on a la possibilité de travailler au niveau de l'agriculture. Au niveau des champs, on fait deux types d'agriculture. On fait l'arboriculture et le maraîchage. L'arboriculture, c'est les fruitiers comme le citron, les mangues, les papayes et les oranges et les autres fruits. Même aussi, on fait le maraîchage, on cultive des carottes, poivrons, aubergines. Tout ce qu'on a besoin au niveau de légumes, on le cultive ici. Au début, on avait des problèmes d'eau, mais parce qu'on a commencé avec un puits qui se trouve là-bas. Après, par la suite, on a évolué, on a fait un forage. Avec le forage, on a la possibilité d'augmenter notre espace. On peut cultiver 300 avec de maraîchage et d'arboriculture. Au début, c'était très difficile parce que je n'ai pas de connaissances au niveau de l'agriculture. Mais par la suite, j'avais des accompagnants comme des techniciens au niveau de l'agriculture. Je les ai venus ici, ils m'accompagnent une saison, deux saisons, trois saisons. Après, par la suite, j'ai de l'expérience au niveau de l'agriculture. Par la suite, j'ai recruté des éléments qui ont aussi des compétences au niveau de l'agriculture. Ils m'ont aidé à réussir. Pour les citrons, la production, ça dure un an, 6 mois. Après un an, 6 mois, on commence les récoltes. Après les récoltes, on peut même transformer les citrons en jus. C'est pour cela que des fois on les vend au niveau des marchés hebdomadaires, des fois on les importe dans les supermarchés, parfois on les amène à Mboro et les grands marchés au niveau de Thiaré pour vendre ça. Le citron, c'est un agrume très prisé. Le marché est là au Sénégal. C'est une production très patiente parce que pour récolter, il faut patienter presque un an, 6 mois. Mais après on commence les récoltes, on peut récolter chaque un mois. Chaque citron peut vous fournir 50 kilos, etc. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup de choses au niveau des citrons. Dans le premier champ, on a là-bas 500 pieds de citron. On peut récolter chaque 15 jours, on peut récolter maximum 2 tonnes ou bien 1 tonne 500. Au niveau de l'élevage, on a aussi des animaux comme les chevaux, les vaches, les moutons et aussi les volailles. On a des chevaux là-bas qu'on produit. Les chevaux, on les utilise au niveau des sangs et en même temps, on les utilise pour élever les chevaux. En même temps, les vaches, on fait des opérations, on les vend au niveau des bouchers. Et aussi, on a les moutons, on a la race locale et aussi la race Ladou qu'on produit ici au Sénégal. Qui est un bon business, qu'on vend des moutons qui sont très chers même, on peut dire. Même au niveau des volailles, on a des poulets de chair, la race locale, etc. Au niveau des volailles aussi, on a des pigeons, etc. Des dindes, des jaunes. On a beaucoup de volailles là-bas, on élève presque tous les animaux là-bas. Avec les déchets de l'élevage, on les utilise pour fertiliser les sols, on peut dire ça. Comme engrais organique, on utilise au lieu d'utiliser des engrais chimiques, on utilise des engrais organiques. Produisons, c'est tout bio, on utilise tout est naturel, le sol, etc., les déchets, tout est naturel ici. Le sang est alimenté par des panneaux solaires, nous avons aussi 12 panneaux solaires qui alimentent le pompe de 7 kg, qui nous permettent d'avoir leur suffisance à l'eau, qui nous permettent d'arroger les arbres, aussi d'utiliser le maraîchage, en même temps d'alimenter les animaux.
J'étais étudiant à la faculté de droit en 2016. En 2016-2017, en 2017, j'ai laissé les études pour migrer aux États-Unis. J'avais eu ma préinscription à l'université New Orleans. J'ai allé à l'ambassade des États-Unis, j'ai demandé un visa, on m'a refusé le visa. J'ai tenté d'autres voies avec des gens qui m'ont dit qu'on peut passer par la Turquie, on peut aller aux États-Unis. Arrivé en Turquie, on est resté là quelques jours, c'est très, très difficile. On ne peut pas aller aux États-Unis, on a obligé d'aller, on nous a dit qu'on peut aller à Cyprus, vous allez étudier là-bas. Et en tant que jeune, j'étais dit qu'il faut que je sorte au Sénégal. Je savais dès le début que je vais retourner au Sénégal pour entreprendre. Parce que j'ai bien aimé l'élevage au début et l'agriculture. Parce que lorsqu'on était jeune, on travaillait au niveau des champs avec nos parents là. Mais la différence entre l'agro-business et l'agriculture moderne, auparavant on utilisait seulement les 3 mois. Si la pluie est finie, on rentre dans les écoles ou bien on fait aller chercher d'autres choses. Mais avec l'agro-business, on peut cultiver toute saison. Pendant la saison sèche, on peut utiliser le maraîchage avec l'eau que nous avons, etc. Au lieu de cultiver les 3 mois seulement, on peut utiliser toute saison. Chaque saison, on peut utiliser un produit, par exemple. Je suis jeune, je fais ma promotion au niveau des réseaux sociaux avec les contacts que j'ai. Beaucoup de jeunes me contactent pour revenir ici, investir au Sénégal, pour essayer de venir créer de l'emploi. Ils veulent revenir ici, faire comme moi, investir au niveau de l'agriculture. J'ai commencé par la boulangerie parce qu'auparavant, les gens achetaient du pain au niveau des autres villes. Il y a les voitures qui transportaient le pain au niveau de qui vient de Ngaïmeré, à 9 km de Ngaïmeré. Par la suite, on a dit pourquoi pas, on peut créer une boulangerie ici pour que la population ait l'accès rapide au pain. Et par la suite, avec ce succès, nous avons investi au niveau de l'agriculture et l'élevage. Il y a des jeunes du village qui travaillent avec moi et d'autres jeunes qui viennent d'autres villages qui travaillent ici, qui gèrent tout ce qui est maraîchage et d'autres assistants. Parfois, si on veut récolter quelque chose ou bien on plante quelque chose, on va aller au village chercher des mains d'œuvre qu'on va payer par journée. De retour au pays, ce n'était pas facile parce que les gens se moquaient de moi. Ils disent qu'en tant qu'un immigré qui a quitté l'Europe, venu ici au Sénégal, travailler dans les champs. Ils ont sous-estimé le travail au champ. Ils pensaient que j'ai un esprit d'un fou qui marchait. Et moi, avec la connaissance que j'ai au niveau de l'agriculture, je savais là où je voulais arriver. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent que même mes compagnons me disent que si à refaire, on va refaire ça ensemble. Les gens qui m'encouragent et qui me félicitent. Je n'ai pas de regret de revenir au Sénégal. Je suis satisfait. Et je conseille d'autres jeunes de faire comme moi, d'investir ici au pays. Hydraulique, au début c'était très difficile parce qu'on arrosait par des bouteilles de 20 litres. Par la suite, on a pu installer des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Au niveau de maraîchage, on utilise l'aspersion et aussi au niveau de l'herbiculture, on utilise des installations goutte à goutte qui vont nous permettre de faciliter le main-d'œuvre ici au sein. C'est au début qui est très difficile, mais maintenant, avec l'installation hydraulique que nous avons, avec le forage et d'autres installations, ça peut nous permettre de faciliter le travail au sein. Je m'appelle Omar Diaw, j'habite à Kel, sur un Kelwa. Bon, je suis technicien d'un système d'irrigation. Bon, maintenant, je suis fait maraîchage dans l'école de CFPS pour Cambren. Donc, voilà, en même temps, je suis qualifié système d'irrigation. Donc, si je suis un membre de jeune entrepreneur, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune.
bima xamé ni wala dafa bëgg def agriculture ci lañu contacter bon ñi ñëw def li nga xamanteni fi moy système d'irrigation bi ci système d'irrigation dafa nek lo xamanteni su féké ni bon da nga bëgg bay ci amu système d'irrigation bu baax manam du mëna dem dal parce que tol mom pour nga pour mu dox deug deug il faut que mu am système d'irrigation parce que moy base bi quoi donc fi na ñew fi ni ci tol bi ni defal ko ben système d'irrigation manam gen aveugle ñu bari na dañ koy jaawale gen maraîchage bi quoi gen aveugle moy pour agrumi mom agrumi rek moko taxaju quoi donc ci na ñew defal ko branchement bi vraiment mu doon jeune bo xamanteni voilà dafa bëgg bay trop ci en plus tamit bëgg na doon ci agriculture doon li nga xamanteni voilà moy jëmele sun rew karam ci en plus biñ jokk ak mom ni voilà daf ko bëgg def dañ ci sawar am ci fierté pour def ko quoi donc tamit bon dina wax nak maraîchage système d'irrigation dafa nek lo xamanteni ñu bari dañ koy wax nak mais xamuñu ko quoi moy manam ni ngay def ba arroser sa tol ci do xamanteni légui dañu inviter tanku tour ak lepp moy aspect sœur goutte à goutte bon amna pivot amna à l'arrêt tamit mais à l'arrêt moy gaay def pédé mais bobu tamit dañ ko fi bëgg jëlé quoi def li nga xamanteni moy doxal fi aspect sœur ak goutte à goutte aspect sœur nak dafa am yo xamanteni amna yo xamanteni da fay sanni 10 mètres amna yo xamanteni da fay sanni 5 mètres mais la plupart nak 5 mètres bi mom la nit ñi di gëna ki quoi parce que mom moy arroser comme taw mom moy arroser bu normal li nga xamanteni comme ngay def lu melni soble ngay def lu melni supame yoy non mo ci gën quoi donc di wax ni sénégal ñun ni amé problème ndox donc système d'irrigation bi non la nekké lo xamanteni da fay économiser sun ndox so xolé israël sax ñom ñoko fi génné lool di goutta gout nonu goutta gout dal dafa don lo xamanteni lu bax la ci mbay manam da ngay am temps bi ci en plus tamit su fekkone da ngay jël lu mat ay 10 employés ci ben 2 hectares wala 3 hectares so amé système goutta gout bi bon 2 rek man nako liggéey quoi 2 rek man na liggéey affaire donc depuis bi nga xamanteni xamna sa way bon pour ñu liggéey ci affaireu toli bon ñu mën ko wax ni agriculture quoi donc depuis mako xamé ba légui voilà amna ñu xamanteni sax bon dañ ci contacter pour def li nga xamanteni moy branchement système d'irrigation bi donc bari na ñu xamanteni partout sénégal dañ fay dem pour def li nga xamanteni moy système d'irrigation bi ñun nak bon ñongi nek kel mo ngi nek ben entreprise bo xamanteni jaw toli la quoi mom day def lepp lo xamanteni day système d'irrigation daf koy def en même temps tamit da fay conseiller en même temps tamit da fay def suivi quoi jusqu'à semer jusqu'à récolte quoi lo lepp bon dañ koy def di lay wax ni nak affaire yi metti wul deug la jeune yang fi nek fi di genn sonu bay bëgga dem ci affaire yi mo ngi fi sénégal affaire yepp ngi sénégal ñun ay jeune nañ bon nek fi ci sénégal di liggéey fi ci souci so xolé da ngay joggé dakar ba kadior da ngay romb all bi bon souf kasse nga fi gisofi tol gisofi dara bon lool nak dafa nek lo xamanteni ci en plus sami jeune dañuy jug nan liggéey bo xamanteni mo ngi fi lenn rek nañ xawa mangi quoi manam ñu may ñu souf bo xamanteni dinañ ci mëna bay voilà moy lool essay dama lay jox tout exemple ci affaireu maraîchage imaginez papaay bi ni xola papaay bi 1 hectare bi limuy jël mo ngi jël 2500 pieds su fekké rét royal la mo ngi lay jox 200 kg ben pied bép ci durée légui ben pied bi jël 200 kg nga multiplier ko par 2500 pieds daf lay jox 5000 kg muy 5 tonnes ça 5 tonnes su fekké dang ko jaayé kilo 100 francs rek daf lay nek ay 10 millions et quelques wala 10 millions ci kilo papaye lu mu wacc du ag 500 légui soko calculer 500 mo ngi lay jox ay 250 millions ci lo xamanteni sénégal fini voilà man nga fam amna ñoo xamanteni dañ ko fi bay amna ñoo xamanteni voilà dañ ko fi bay so xolé ki nga xamanteni moy mam ngor zen entrepreneuriat bi so xolé citron yi mu fi def ni voilà comme non la branché nañ ko branché bu jekk ci instant yi alhamdullilah moy commencé di produire li nga xamanteni mom la ko bëgge won quoi avec l'agro business on ne se plaint pas financièrement avec le marché la population en a besoin on n'a pas l'autosuffisance alimentaire ici avec même au niveau de poulet de chair on n'a pas l'autosuffisance aussi il y a la demande il y a beaucoup de personnes qui demandent ça donc on peut s'en sortir il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a pas de travail ici mais il y en a du travail ici avec la terre ça demande de la patience persévérance parce qu'au niveau de l'agriculture il faut avoir la patience et il ne faut pas abandonner toujours parce que tout début est difficile
mais avec la suite, il va s'en sortir. Parce qu'il faut prendre les essais comme des opportunités qui vont nous permettre d'avancer un pas en avant. Au Sénégal, on a la terre, on a la possibilité de travailler ici. Je conseille aux jeunes de revenir dans leur pays parce que si on ne va pas revenir, les Blancs même vont venir pour occuper les terres que nous avons. Parce que y a beaucoup de personnes qui savent l'importance de la terre au Sénégal. Parce qu'avec la terre, on peut avoir l'autosuffisance alimentaire, la création de l'emploi, la transformation, etc. des industries. Parce que nous avons la possibilité d'avoir la plus jeune population dans le monde. Et nous avons le soleil qui se va de presque de 9h à 17h. Si vous allez en Europe, il y a des gens qui ont problème de voir le soleil. Et ici, on a le soleil, on peut utiliser nos ressources pour travailler ici, pour créer des emplois aussi. Actuellement, nous n'avons pas encore des subventions au niveau de l'État, parce qu'on ne peut pas attendre tout au niveau de l'État. Il faut commencer, l'État va venir en aide, mais on ne peut pas rester attendre l'État qui va nous aider.